Ça me va très bien. Bien, bien. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Diane et sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces naturelles, des DIY, des astuces beauté et bien d'autres sujets. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et like la vidéo. Regarde aussi la vidéo jusqu'à la fin et tu me diras dans les commentaires tes impressions. Il y a de cela quelques années, j'ai découvert une astuce pour les cheveux, pour les rendre plus forts et plus résistants. Donc, pour lutter contre l'alopécie, la calvitie et aussi les pellicules. Alors, si tu aimerais toi aussi découvrir cette astuce que moi j'ai découvert il y a de cela 3 ans, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve juste après les génériques. Alors, il y a de cela 3 ans, j'aimerais faire pousser à tout prix mes cheveux. Vous connaissez l'année 2019 où il y avait le COVID-19. Donc, j'ai décidé de faire pousser en ce moment-là mes cheveux. Et le problème, c'est que je partais de zéro. Je me rasais tout ras la tête avant. Donc, j'ai décidé de faire pousser les cheveux et aussi de faire pousser les tempes. Vous voyez, non? Vous allez remarquer que ici, là, j'ai encore les cheveux, par ici aussi. L'astuce que je m'en vais vous présenter dans cette vidéo vous aidera à garder vos cheveux sur les tempes, à lutter contre l'alopécie. Il s'agit du quoi? Il s'agit du jus de gingembre. Le jus de gingembre permet de faciliter la circulation sanguine au niveau de la cuir chevelue et de permettre à vos cheveux d'être plus résistant, plus fort et moins cassant. Si vous ne le savez pas, je suis nappie, comme vous pouvez le voir. Actuellement, je me suis faite une coiffure protectrice pour maintenir mes cheveux étirés, pour éviter à ce que les cheveux se stretchent. Donc, vous pouvez voir, c'est du nappie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez réaliser cette astuce et comment l'appliquer sur votre cuir chevelu. Pour cette astuce, vous aurez besoin du gingembre. J'ai pris un peu du gingembre pour vous montrer l'astuce. Ensuite, de l'eau, d'une bolle, d'un filtre, d'un applicateur. Donc, c'est très, très, très mini. Et on va l'utiliser. Mon spray a eu un problème là. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce petit applicateur. Donc, on va mixer le gingembre avec de l'eau. On va ajouter un peu d'huile d'olive pour apaiser les tensions, quoi. Pour apaiser la sensibilité. Donc, voilà. Donc, je le mets à l'intérieur. J'ajoute de l'eau. On se retrouve après le mixage. Bon, voilà, je viens de mixer. Donc, on va filtrer. Donc, comme je vous l'ai dit, on va filtrer avec le filtre. Voilà. Juste une petite quantité, ce dont on a besoin pour la vidéo. Donc le reste là, ça servira à faire du jus. Donc voilà. Ouais, non, c'est dosé. Ensuite, on va le mettre dans l'applicateur. L'applicateur est très, très minime, mais bon, on va l'utiliser. Ici, on utilise ce qu'on dispose. Donc voilà, j'ai fini de remplir l'applicateur. On va ajouter un peu d'huile d'olive. Pour ceux qui ont des sensibilités, là, utilisez l'huile d'olive pour mélanger. Donc, je vais mettre juste quelques gouttes, hein, juste pour la vidéo. Voilà, je vais fermer et puis je vais venir. Bon, voilà les amis, on a fini de faire notre petite préparation. Je vais vous montrer comment vous pouvez l'appliquer sur votre cuir chevelu. Donc, je vais détacher mes cheveux. Voilà. Donc, je vais les séparer juste pour vous montrer comment ça se passe. Ça me va très bien. Bien, bien. Donc, voilà. Je vais l'appliquer sur ma cuir chevelue. Moi, je l'applique sur les cheveux. Donc, vous massez. Vous massez comme ça, là. Quand ça sort un peu, là.
C'est comme ça vous allez appliquer ça sur votre cuir chevelu. Donc, regardez. Regardez comment ça sort. Voilà. Donc, on applique ça. Attention! Ça brûle après. Donc, il faudra faire attention au niveau des cheveux. Ouais, vous connaissez le gingembre. Donc, voilà. Vous l'appliquez, vous l'appliquez, vous l'appliquez, vous l'appliquez. Surtout si vous avez vos trucs là, vos pellicules. Donc, vous l'appliquez toujours, après vous l'appliquez, vous massez un peu, vous massez un tout petit peu. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. C'est comme ça que vous allez faire. Vous mettez comme ça, je moi, j'ai la boule à la gamme, je suis, je viens. Bon, voilà. Je vous ai montré comment utiliser, tu vois, je vais vous expliquer la nuit avant de vous coucher. Donc, vous l'appliquez. Là, 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 partout, 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 partout. Vous l'appliquez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous. Moi, c'est votre cheveu, attention. Vous massez. Ensuite, vous allez mettre sur vos cheveux. Comme ça, comme ça. Ensuite, vous mettez un chapeau et vous allez vous endormir. Donc, le lendemain matin, vous pouvez toutefois rincer pour le garder. Tout comme fait, ça vous procure du bien. Mais ne surchargez pas vos cheveux. Il faudrait qu'après 3 jours comme ça, vous faites votre shampoing pour ne pas laisser aussi les odeurs un peu bizarres là. Donc, voilà un peu l'astuce que j'aimerais partager avec vous. Dans cette vidéo, je vous ai partagé mon expérience avec le gingembre. Il se pourrait que ce gingembre ne marchera pas pour toi. Si vous avez des problèmes de sensibilité au niveau de votre cuir chevelu, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Donc, si vous avez des problèmes comme l'alopécie et bien d'autres, vous pouvez demander conseil aux professionnels. Parce que je vous rappelle, je ne suis pas experte en cheveux nappis, mais je partage avec vous mes expériences à travers cette vidéo.